Nous sommes à Nyons, à la distillerie Bleu Provence, située sur la promenade de la Digue. Et cette distillerie a été construite en 1939. Cela fait donc partie du paysage et du patrimoine nyonçais. Alors, depuis plusieurs siècles, au moins à partir du 18e, les plantes sont récoltées. Et encore aujourd'hui, cela représente une économie importante pour le territoire et pour les producteurs. Dans un premier temps, les lavandes sont récoltées par les producteurs. Elles sont séchées, c'est-à-dire préfanées. Et ensuite, ces lavandins vont être traversés par de la vapeur d'eau qui va extraire l'huile essentielle. Et cette vapeur d'eau qui contient l'huile essentielle va être refroidie afin de pouvoir séparer à la fois l'huile essentielle et l'eau distillée. Alors, pour découvrir ce métier de la distillation et cet univers des plantes aromatiques à parfums, la distillerie propose différentes animations, des visites guidées, mais aussi des ateliers pour les enfants. Nous faisons des ateliers savons, des ateliers floraux, des ateliers parfums. Et tout au long de l'année, à la demande, nous accueillons des scolaires également. Donc nous essayons de faire connaître notre métier tout au long des visites, de l'accueil que nous faisons au groupe. Et ce n'est pas qu'un musée, c'est quelque chose d'actif.